Medjay! Eh bien salut tout le monde, c'est Mister T-Rex, on se retrouve donc sur Origin comme vous pouvez voir. Et là bah comme j'ai plus de mission commencée, je vais recommencer une autre, donc ce sera celle-ci qui est là, nommée les crocs de Sobek. Après je montrerai sûrement, et comme vous avez pu voir au début de vidéo, j'ai tué un Philactae qui était ici. Et que je suis con parce que j'aurais pu directement faire le point d'observation. Bon, c'est pas grave. Après, il faudrait peut-être que je fasse là-bas aussi. Et là-bas. Parce qu'il y a une mission aussi. De toute façon, je sais tous les faire. Y compris les cercles de Bayek. Je les ai jamais fait aussi, enfin pas tous dans ma game. Bon, il est où en haut? C'est du sang qui coule sous cette porte. Ah, mais je m'en souviens. On tue des Sobek à Crocodilopolis. Par les dieux. Une tannerie illégale. Oh, faut que j'inspecte. Voilà. Les momies sont remplies d'or et d'objets précieux. Mais où est-ce qu'ils les emmènent? Elles sont envoyées aux quatre coins de l'Égypte. Bah, les affaires, ça marche bien du coup. Ces momies ont été bâclées. C'est un ignoble blasphème. Bah, moi, c'est pas pour faire du sac à main. Bah bon, ça revient au même. Un joli tas d'or. C'est du meurtre. Quelqu'un tire un beau bénéfice de ce sacrilège. Surtout, bon, les crocodiles sont méchants, mais ils ont rien demandé, eux. Mis à sécher comme des carpettes. Pas étonnant que l'endroit soit fermé. On cache le meurtre de Dieu. Les crocodiles sont massacrés et momifiés. Mais le travail est fait sans le moindre soin. C'est un véritable sacrilège. Les momies servent à transporter des pièces, elles sont empilées comme de vulgaires sacs. On utilise les cadavres de Dieu pour faire de la contrebande. Rien que l'odeur me retourne l'estomac. Les coupables méritent la mort. Comment peut-on faire ça en Égypte? Par les dieux! Il faut y mettre fin. Ça me convient. On doit trouver où sont envoyées ces momies. Il doit y avoir un quai près de cette tannerie. Ok. Il faut pas que c'est nous aller faire la recherche pour moi. Quelqu'un a des ennuis. Tu sais que c'est mal, mal. Tuer des enfants de Sobek pour les farcir de cet or impie. Qui a ordonné ce massacre et ce sacrilège? Sobek a désigné son bras droit et nous devons lui obéir. Désolé, ce sera rapide. On ne tue pas les innocents. Ton devoir est de protéger le temple et le peuple. Et moi, mon devoir, c'est de vous tuer. Ok. Merci, Medjay. J'ai la vie sauve, mais il semble que le mal ait déjà été fait. J'ai vu la tannerie et les momies. Je sais ce qu'ils font aux enfants de Sobek. Tu as vu ces horreurs? D'où à Sobek? C'est impardonnable. Je suis pas Diaset. Je sers le temple qui est au sud de la ville. Pardonne-moi. Je dois repartir. Seule la prière peut me guider.
Cette fois, prêtre, prier ne suffira pas. Nous devons agir. Ces momies ont une destination. Je crois qu'ils les transportent en bateau. En bateau ? Le culte a une trirème. Elle suit les voies marchandes au sud de la ville. Fais ton devoir, Medjay. Je prierai pour toi. Mais par pitié, ne fais pas couler le sang. Le sang coule toujours, qu'on le veuille ou non. Je dois chercher le manifeste de ce navire. Il m'apprendra la destination de ces momies. Ça, je garantis rien pour le sang couler. Désolé. Ils en foutent même dans l'eau, sérieux. Cette cargaison doit être importante, non ? Oh merde. Je suis obligé d'y aller à la nage. Ben non, il y avait un bateau là. Je suis con. C'est une phrase rhétorique, pas besoin de répondre. Ok. Moi, c'est là que je veux aller. Moi. Au pire, je verrai ça plus tard. Comme ça, si je continue toujours tout droit, je devrais arriver juste à temps. À moins qu'un paysan vienne me faire chier. Non, c'est bon, t'inquiète, je peux continuer à la nage, je sais nager. Je sais pas si à ce temps-là tout le monde savait nager, mais lui il sait nager, c'est sûr. Oh, ça a arrêté. Je crois qu'il attend ma venue. Il va être déçu du voyage. Hey. Je suis de votre côté, les gars. Calme. Pas envie de vous jeter par-dessus bord, moi. Alors, allez, hop, niveau 29. Et 29. Oh, il y a un truc rouge. Ouais, ça doit être. Ouais, ça, c'est les flammes. Ça a été flouté. Trouver et récupérer le manifeste de la Trivenne. Ok. Halt! Plus un geste! Hein? Mais que! Merde. C'est ça! Remuez-vous! On a un problème ici! Ma flèche peut le toucher! Dommage, j'aurais voulu qu'il touche celui sur le bateau. Crève, chien. Quoi ? C'est pas assez rapide. Là-bas. Tu ne peux pas m'échapper, cafard. C'est toi le cafard. Le manifeste du navire. La cargaison est destinée au camp des Trirèmes échoués, à l'ouest. Pourquoi des prêtres de Sobek se sont alliés à des soldats? Il faut que j'aille dans ce camp pour en savoir plus. Je crois qu'on a de la visite. Ouvrons l'œil. Je te protège. Tu ne crains rien. Ah. Moi non plus, je crains rien. Je suis sous l'eau. En vrai, l'eau, c'est bien fait. La seule, bah, dans les eaux, c'était dans Black Flag. Hein. Et encore, c'était pas nager comme ça. Hein. On pouvait pas nager comme on voulait. C'était, fallait aller dans, enfin, faire une mission et voilà. Ouais, là, tu peux t'arrêter, mec. Ouneb, je sais plus comment qu'il... Oh. Il le faut, désolé. Toi, arrête-toi. Quoi? Je te tiens. Toi, tu vas crever. Je vais le transpercer.
c'est Jerry. Je peux le toucher. Tu fuis. Attention, on a encore le passé gris. Je vais t'étriper. Rêve, chien. Boum. Voilà. Vous savez ce qui aurait été bien dans le jeu? C'est qu'on puisse choisir ses armes. Approche, que j'ai le plaisir de débarrasser. Et enfin, les armes qui sont visibles. Ah ouais, mais je connais ici. C'est quoi, on va le faire, même s'il faut le faire dans une mission, c'est pas grave. Ça va pas me tuer non plus parce que je le fais. Un coffre. Il y a le capitaine, le commandant. Bah. Il n'y a pas le capitaine et le commandant. Il y en a un là. L'alarme, il est là. Ah si, il est là. Bon, hop, comme ça je fais le tour. Et je finis le lieu. Merde. Commandant. Hé mec. Rien. Mais je reste méfiant. Hop, comme ça je peux éteindre l'alarme, j'y suis juste à côté. Et comme ça, quand je ferai la mission, je serai plus emmerdé, j'aurai juste à arriver. Je fais la mission. Et hop, on parle plus de rien. Crève, merde. Tu préviendras personne, mon gars. Merde. Dégagez, dégagez. Bon, bof, c'est tout. Je vais t'étriper. Eh, lui, il est balèze. Quoi? Te voilà. Voilà, bon. Maintenant, je peux continuer. Il y a un coffre là-bas. En fait, le lieu va être terminé avant que je le découvre. C'est cool, hein? Hey! Ensemble, ensemble! Gagnez-moi un peu de temps! Je dois partir! De toute façon, il se barre. C'est un marchand encore. S'il veut m'affronter, bah. Il m'affronte. S'il veut se tirer, il se tire.
Il est où, lui? Là-bas. La première fois, j'ai utilisé les grosses arbalètes là-bas. Je pourrais tous les tuer ici. Et ben, en fin de compte, j'ai bien réussi. Je lui ai fait un headshot. Il n'a plus rien compris. Quoi? Penpa Shedekti. Mejaoya. Ready sua any tenemo. Ha'am mesuk. Ha'ai bikhemet. Irite shemet. Ha! Jaja hemet! Manger tes boyaux. Hein, mais que... Te voilà. Désolé. Tu... Fallait laisser en vie. Je te tiens. Je peux le toucher. Ben voilà. Tout le monde est en vie. Et en plus, j'ai un bateau pour aller à ma mission. Et j'ai fini deux endroits. Je peux pas faire mieux. Enfin, si, je pourrais faire tout, mais... Là, ce serait mieux. Je me rappelle plus trop, mais je crois que là, je vais aller dans un camp. Dans un camp de bandits, donc je vais encore nettoyer un camp. Voilà. Mais après, je me souviens plus vraiment. Ou peut-être que si, en fait. Je m'en souviens. Trouver des preuves de la corruption. C'est dans la tente là-bas. J'ai le OK. Merde, il y a l'alarme juste ici. Prends là toi. Halte. Voilà le camp des Trirem échoué. Les informations que je cherche sont sûrement dans la tente du capitaine. Quoi? Eh mec, c'est ça, crève. Je suis à portée. Je vais appeler des hommes. Merde. Je vois la cible. Hey! À portée de tir! J'ai eu le temps de le piéger. Comme ça, au moins, je m'inquiète plus. Oh. Je vais le transpercer! Je vais te tuer! Je peux le toucher! Prends le capitaine, merde! Et voilà, du coup il t'a touché, hop! Ah merde! Ça va pas te faire une fois. La cible est visible! Alerte! Par ici! C'est l'impôt sur l'absence de cervelle qui t'a énervé? Allez! Ah Hadès te trouvera bien quelque chose à faire. Oh! Tu ressembles à un ilote. Je vais mourir. Hadès.
C'est ça. Crève. Souffrir. On peut le dire, je m'en suis encore bien sorti. J'ai utilisé deux fumigènes et je m'en suis très bien sorti quand même. Quoi ? Alerte ! Chargez ! Tu ne peux pas m'échapper là-bas ! En même temps, j'étais un coup critique dès le début, c'était à cause du de Bayek, qui voulait pas attaquer le capitaine pour je ne sais quelle raison, donc... Moi, j'étais un peu emmerdé, du coup. Ce qui me faisait courir en bourrique. Tous ces coffres, remplis à ras-bord. Ces pratiques sacrilèges durent depuis un bon moment. Des enfants de Sobek transformés en sacs de... De la correspondance entre le capitaine et un prêtre appelé Setep. Le culte et les soldats de Ptolémée complotent ensemble. Ouais. Mais que font-ils d'autre ? Bah, qu'est-ce qu'ils font d'autre, ça, j'en sais rien du tout. Bon, je pourrais très bien aller faire la mission là-bas, niveau 30. Je suis niveau 34. Non, on va retourner à Crocodilopolis, et on va faire l'homme bête. Parce qu'il est bête. Non, en fait, j'en sais rien pourquoi. Non, moi, je veux juste, voilà ça. Et récupérer des fumigènes du coup, parce que j'en ai perdu pas mal, hein, là, on peut le dire. Est-ce qu'il y aurait un bateau dans le coin? Non mais je veux un bateau, va pas dans l'eau. Plus je demande un bateau, il y a déjà un grand bateau là. Ouais, il y en a un. Et c'est le mien en plus. Ouais, si, c'est le mien ça. Désolé, j'ai pas eu mon permis bateau. Comme ça on va faire l'homme bête, peut-être que ça fera plus ou moins ou pareil ou quasi pareil. J'en sais rien. Enfin je parle du temps là, le temps. Je sais pas si ça fera pareil ou pas. Parce que je suis qu'à 22 minutes, donc on peut compter 20 minutes. Plus 30 secondes. Voilà. Ah, l'arène de gladiateurs. J'hésite entre le faire ou pas en vrai. Je voudrais le faire. Mais je suis pas fan de l'arène non plus. En fait, je suis fan d'aucune arène là-dedans. Je ne veux pas que tu joues avec lui. C'est l'homme bête qui vit là. Tu veux te faire couper en morceaux ? Va-t'en ! Je sais pas à qui il parle. Séni, pardonne-moi, mais je t'ai entendu. Tu as dit quelque chose au sujet d'un homme sauvage. Cela fait des mois que l'homme bête enlève des gens d'ici. Des gens ont disparu. Tu en as parlé aux Filakitai. Ces Filakitai sont des bons à rien. Il y a quelques jours, pas moins de 3 pêcheurs ont disparu. On les a retrouvés en plusieurs morceaux dans l'eau. Et ils n'ont rien fait. Mais on sait qui est derrière tout ça. C'est le vieux fou furieux qui vit là-bas. On le surveille. Les apparences sont souvent trompeuses. Il faut que je parle à cet homme sauvage. Peut-être qu'il est possédé par Sobek. Il est trop fou pour être l'homme bête. Il passe son temps à prier. Il mange les victimes de Sobek. Personne n'a disparu sur ces terres. Sobek il surgit simplement dans l'eau près de chez lui. Bouche. On il devrait le laisser tranquille. Pointu. Son pauvre Sobek enfant. Mange en s'accouplant.
Il déchiquette qui il veut. Mon ami, je peux te parler? Sais-tu quelque chose de ces disparus? Je ne suis pas ton ami. Ne reste pas ici. Sobek mange avec sa bouche. Il a les dents pointues. Sobek mange en s'accouplant. Il déchiquette qui il veut. Je crois que je ne tirerai rien de lui. Ouais, il est bizarre. Hein. Dans ces paniers, il y a de la viande pour les poissons. Par les dieux, de la chair humaine. Bonjour. Comment tu t'appelles? C'est mon jouet de Sobek. Tu vois, il porte ses bébés dans la bouche. C'est mon père qui l'a fait. C'est un très beau jouet. Tu peux dire à mes amis de revenir jouer, s'il te plaît. Sobek ne mange pas vraiment les gens dans l'eau. C'est juste un jeu. Mmh. Un drôle de jeu. Cette mine, qui en cette herbe? Ah, c'était ici. De la chair. Pourrie, gonflée d'eau, et difficile à identifier. Elle vient de l'amont du fleuve. Cet endroit est un V. Tout ce qu'emporte le courant arrive ici. Cet endroit est un véritable abattoir. Mais est-ce de la chair humaine? De toutes mes années de Medjay, je n'ai jamais rien vu de tel. Ça vient d'un endroit plus haut sur le fleuve. Où ça, là-bas? Bon, on va aller voir. Accuser un type qui n'a rien à voir. Nek, en voilà encore. Mais d'où peuvent-ils venir? Moi, je sais. Encore du sang dans l'eau. Il a l'air de... Il a pas fini sa phrase. Je savais pas qu'on pouvait taper dans l'eau. Ah si, bah si, en fait si, je le savais. Puisque je le fais. Oh merde. Quel est cet endroit? Ah, il sent la mort. Des morceaux de cadavres doivent provenir d'ici. Paramon, tous ces cadavres à moitié dévorés. Oh, et quelle puanteur! Qui est là? Pitié, venez m'aider! Du bon vin, des rafraîchissements. On prend soin de ceux qui viennent ici. Des coussins luxueux. On dirait les sièges d'une sorte de théâtre. Ouais, bon, on va aller voir le gars. Ah, ça... Les dieux soient loués. Vite, il faut partir avant son retour. Qui? Qu'est-ce qui se passe ici? L'embaumeur. Il jette des gens aux crocodiles. Ses invités les regardent se faire mettre en pièces. Je devais être le suivant. Calme-toi. Tu ne crains plus rien. Où est-il? Plus rien? Tout le monde est en danger. Il m'a enlevé au marché pendant que je vendais mon poisson. Je fiche le camp. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un soit capable de faire ce genre de choses. Je vais devoir me rendre au marché. Cet embaumeur a donné son dernier spectacle. Yeah,
Ouais, le dernier. Désolé, je suis un peu plus pressé que toi. Halte! Plus un geste! Ah, ils attaquent à vue, par ici. Moi, je le fais, je passe devant. Et en plus, j'aurai un petit truc. Normalement, le graphite, j'aurais dû en avoir beaucoup plus si j'aurais fait tous les lieux comme ça. Mais comme je les ai pas fait, bah, j'ai pas tous les graphites qu'il faut. Du coup, bah, il m'en faut encore plein. Mais bon, vie à fond ou pas, je m'en inquiète pas vraiment. Désolé, c'est la mission principale. Non, bah même pas. C'est une mission secondaire, mais on va voir. On va regarder. Hey, c'est un mauvais présage. Sobek est malade. Petsuko est en colère. L'image de Sobek montre la volonté du dieu. Qu'allons-nous faire? Je vais guérir Sobek. Continuez à prier. Ouais. Donc c'était ça, les larmes de Sobek. Mais c'est pas la mission que je suis en train de faire actuellement. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Oh, cible localisée, mais pas par moi en tout cas. C'est nous, elle sait où il est, mais moi... Hein? Là, j'en sais que dalle. Πλέον μέλουσι ουράν. Άνθρωποι νουν απολέσε. Comprends rien. Oi, mes amis, je pense que vous avez aimé ce spectacle. Le scorpion mort. À ton tour d'être embaumé. Vermine. Un fou. Mais il ne fera plus de mal à personne. Que les dieux s'occupent de ceux qui sont venus voir ces spectacles. Quoi, t'es pas mort? T'inquiète, petit, je te visais pas vraiment. Te voilà. Bon bref, ça fait combien de minutes là? 33. Et je n'ai même pas le temps de faire les larmes de Sobek. Le scorpion mort. Il y a une mission dans le coin, non? Pas non. Un visage autrefois bien aimé vire au gris à la sarre et le poison qui élance. Une plume lumineuse, dorée et blanche pour Ma'at et sa balance. Bonjour. Je vois que tu joues dans les rues. Bayek. Pas vraiment. Je trouve simplement la lecture apaisante. Ça m'aide. Je suis heureux de l'entendre. Je n'ai pas encore trouvé le courage d'aller voir mon père. Un pas à la fois. Je dois partir. J'ai une autre lecture. Un texte sans prétention. Alors sois indulgent. Je ne te promets rien. Au revoir, mon ami. Et les yeux lourds, je pleure, des larmes empoisonnées. Marchant vers le sommet, je vois le nid brisé. Bienvenue.
Je fais un pas, je tombe, et j'atterris en paix. Bon, je vais améliorer mes épées, faire le point, et je vous laisserai là. J'ai fait deux missions, enfin deux quêtes, c'est pas trop mal, par vidéo, j'aime bien, enfin deux, j'aime bien. Bon. Ah, bonjour mon ami. Qu'est-ce que je peux pour toi ? Améliorer mon épée et mon bouclier, mais je crois que ce sera pas possible. Merde. Oh non. Ouais. Ouais, pas beaucoup. Hein. Très bien. Bon bah voilà. Enfin bref, c'est tout. Vous avez vu un peu là, hein, j'ai tout revendu. Du coup, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye.